Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Le 20e festival Nature et Culture de Mundur, qui devait se tenir au Dersim, a été annulé. Ruben Safrastian. Il n'est pas possible de signer un document concernant l'Artsakh ou de quitter le processus de négociation. L'Artsakh est gravement blessé et son rétablissement est un grand problème pour tous les Arméniens. Aujourd'hui est le jour de la libération d'Akna. Témoin silencieux du génocide, les 38 recherches de Dersim. La Turquie occupe Chypre depuis 48 ans. Ankara a confirmé les conditions préalables à l'Arménie. Comme nous l'avons signalé précédemment, le 20e festival intitulé « Nature et culture de Mundur » devait se tenir dans la ville de Dersim en Arménie occidentale. La province de Dersim a imposé certaines restrictions aux participants du festival, ce qui a provoqué le mécontentement des organisateurs et des participants. Le comité d'organisation du festival, protestant contre les interdictions du gouvernement turc à Dersim, a décidé d'annuler le festival dans le centre de Dersim. Des milliards de personnes venues dans la ville pour le festival ont manifesté contre les interdictions imposées par le gouverneur. Le maire de Dersim, Fatih Mehmet Makorlu, le président de la fédération Alevi, Mustafa Arslan, ainsi que des représentants de divers partis et ONG ont publié une déclaration de protestation. Dans leur discours, ils demandent principalement la démocratie à Dersim et le respect et la compréhension des cultures et des croyances des différents peuples. À la fin, les organisateurs de la marche de protestation ont remercié tous ceux qui ont organiser le festival. Sur la chaîne de télévision d'Arménie occidentale Western Armenia TV, le turcologue Ruben Safrastian a parlé des aspects cachés des relations arménio-turques et a également évoqué les véritables intentions de la Turquie dans cette région. L'objectif principal de la Turquie est de contraindre la République d'Arménie à reconnaître l'Artsakh comme un territoire azerbaïdjanais, ainsi que de prendre la région sous son contrôle et d'en exploser la Russie. Après avoir résolu ce problème, la Turquie demandera l'oubli de la question du génocide qui progresse pas à pas. Selon Turkoglu Safrastian, cela ne peut être accepté et dans ce cas, la République d'Arménie doit agir avec une diplomatie forte et flexible afin d'empêcher la Turquie d'atteindre son objectif. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, David Babayan, a écrit sur sa page Facebook « L'Artsakh a été gravement blessé et son rétablissement est un grand problème pour tous les Arméniens. L'avenir de tout le peuple arménien dépend du sort de l'Artsakh. L'Artsakh fait face à des menaces existentielles, mais malgré tous les dangers et difficultés, il existe toutes les possibilités pour sauver le pays et assurer son avenir en toute sécurité. Cela exige une approche patriotique et professionnelle non seulement du travail, mais aussi de la vie en général. L'Arménie occidentale est aux côtés du peuple d'Artsakh et est prête à défendre des droits devant les tribunaux internationaux. Au début de la première guerre de l'Artsakh, Akna Ardam est devenue une position stratégique azerbaïdjanaise pour le bombardement continu de la capitale Stepanakert et des localités environnantes. Le 23 février 1991 déjà, sans rencontrer de résistance, les Azerbaïdjanais ont capturé les réserves militaires de la 4e armée des forces armées soviétiques à Ardam. Après la libération de Chouchi, la tâche des forces d'autodéfense de l'Artsakh pour assurer la sécurité de Stepanakert et des localités voisines d'Ardam consistait à éliminer les bases militaires d'Ardam, d'où l'ennemi bombardait régulièrement les localités arméniennes. Le 4 juillet, les forces arméniennes ont lancé une opération pour libérer Ardam, ce qui a éliminé le danger de bombarder Stepanakert, Askelan et les villages environnants. Le 23 juillet 1993, Ardam ainsi que les villages environnants sont passés sous le contrôle de l'armée de défense de la République d'Artsakh. Après la guerre de l'Artsakh de 2020, qui a duré 44 jours, les Azerbaïdjanais ont de nouveau occupé Akna. Dans les années 1990, la lutte pour la liberté en Artsakh a été couronnée de succès, car le moral des militaires étaient élevés et malgré l'absence d'une armée régulière, les volontaires ont accompli les tâches qui leur étaient confiées avec une telle pression que les opérations de combat ont été couronnées de succès. C'est alors que les volontaires ont été activement formés à l'art martial arménien de Haychampa qui stimule la concentration de l'esprit et la direction correcte de la puissance.
Le village de Halvori à Dersim en Arménie-Occidentale est célèbre pour sa beauté naturelle, ses rochers et ses ruisseaux. Comme de nombreuses autres régions, Halvori a également beaucoup souffert des massacres de Dersim. Halvori est un lieu sacré pour les habitants de Dersim. Cette région qui a été soumise à des attaques aériennes et terrestres était populairement connue sous le nom de 38 Rocs. La seule raison de ces actes brutaux et de massacres de personnes était que le 21 mars 1937, après le raid sur le pont de Pah par les tribus Haïdaran et de Manan, sept chefs de tribus, son Seyyid Riza, ont prêté serment sur l'eau de Munzur à Halvori de s'opposer à l'action militaire. Vous pouvez lire l'article complet sur notre site web. Le 16 août 1960, après une longue période de colonisation britannique, la République de Chypre a été proclamée. Son président était l'archevêque Makarios et son vice-président était Fasil Küçük, chef de la communauté de la minorité turque. Le 20 juillet 1974, l'armée turque envahit Chypre, entraînant la division de l'île en deux parties, grecque et turque. Sous le nom d'opération de paix à Chypre, la Turquie a occupé environ 37% du territoire de l'île et, en 1983, Ankara a créé la République turque de Chypre du Nord, un état artificiel reconnu uniquement par Ankara. Après l'occupation de la partie nord de Chypre, le patrimoine culturel, y compris un certain nombre de monuments culturels arméniens, a été détruit par les Turcs. En particulier, l'église de Makarabank dans le nord de Chypre a été complètement détruite. Les chapelles de Surporos et Surparoutsuna Nicosie ont été inclus dans la zone tampon de l'ONU et abandonnées. À ce jour, le problème chypriote n'est toujours pas résolu et les tentatives de la résoudre pacifiquement et de réunifier les deux parties de l'île n'ont pas donné de résultats. Après la réunion Raisi-Poutine-Erdogan à Téhéran, lorsque la partie iranienne a attiré l'attention de Poutine et Erdogan sur l'inadmissibilité de modifier la frontière de la République d'Arménie, le ministre turc des Affaires étrangères Çavuşoğlu a déclaré à la télévision d'État turc que, bien que le processus arméno-turc soit bilatéral, il s'agit en fait d'un processus trilatéral car il coordonne tout avec Bakou. Que les Arméniens le veuillent ou non, c'est un fait. Nous sommes une nation deux États, a-t-il déclaré. En effet, malgré les déclarations des officiels arméniens et turcs sur le règlement des relations sans conditions préalables, Çavuşoğlu explique en fait les conditions préalables de la Turquie par rapport aux demandes et aux intérêts de Bakou. En outre, elles font partie d'un ensemble plus large de conditions préalables posées par la Turquie en ce qui concerne plus particulièrement la commission de démarcation de la frontière arméno-turque. La partie turque soulevait la question du renouvellement du traité russo-turc de Kars de 1921 avec une application plus large, y compris la reconnaissance de l'Artsakh et du Nakhichevan comme appartenant à Bakou. L'Arménie occidentale qualifie cette déclaration de la Turquie d'arrogance, notant que ce pays occupe le territoire de l'Arménie occidentale depuis 100 ans, ne permettant pas aux peuples autochtones de vivre et de créer sur leur territoire. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Yarası gele kalk hop nino can nino baytona.